m'appelle Maxime Redon, j'ai 27 ans, je suis formateur et éducateur pour la marque Raphaël Perrier. Pour ceux qui connaissent un peu les milieux du concours de coiffure, je suis entraîneur de l'équipe de France et j'étais compétiteur auparavant au niveau international où j'ai l'opportunité d'être champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Après, j'ai un parcours assez classique comme la plupart des jeunes en apprentissage, un CAP, un brevet professionnel, et j'ai aujourd'hui l'opportunité de voyager à travers le monde et à travers la France pour transmettre cette méthode-là justement. L'idée, en fait, c'est de faire découvrir les nouvelles tendances aux apprentis, les nouvelles méthodes, en leur montrant que très rapidement et très simplement, on arrive à avoir des coupes et des résultats super efficaces, que ce soit en coupe ou en chignon ou en tresse à tâche et coloration. Donc voilà, plus une présentation et un atelier technique cet après-midi sur tresse et attache, les maîtres d'apprentissage et apprenants. Quoi. Nous définir un peu la méthode Raphaël Perrier. Ouais, bien sûr, on a créé cette méthode là à la demande de la profession déjà, parce qu'on faisait de la formation professionnelle et qui marchait extrêmement bien. On est leader aujourd'hui de la formation pro en France et à l'international. On forme plus de 15 000 coiffeurs par an. Et en fait, on a voulu vraiment créer cette méthode-là afin de valoriser les jeunes, leur apporter plus d'outils pour qu'ils puissent avancer plus vite, voir plus loin, voir plus grand. On a une méthode interactive connectée avec par exemple un simulateur de coupe 3D qui est unique au monde. Qui aujourd'hui, on est même en train de l'intégrer dans un casque de réalité virtuelle, donc où en fait l'apprenant fera dans le casque et aura un pourcentage de réussite, ce qui pourra même appréhender les gestes et les erreurs avant même de pouvoir couper sur tête et après sur client. Donc on va aller encore plus loin demain, mais aujourd'hui c'est leur donner des moyens pour qu'ils puissent avancer plus vite et plus loin. Il y a une dimension connectée, digitale, indéniable aussi. Exactement. Ouais. En fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est les premiers utilisateurs de technologie, que ce soit smartphone, tablette. Donc l'idée, c'était de leur donner un QR code qui flash un code sur un bouquin et qu'ils ont accès à des vidéos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des lives, par exemple, qu'on leur met tous les 15 jours, le mercredi soir à 20h, ce qui leur permet aussi de faire des trainings dans leur salon. Donc avec leur maître d'apprentissage, ça c'est vraiment un vrai lien aussi et des vrais bonus pour eux et pour leur maître d'apprentissage également quoi, finalement. En fait, on a un métier qui évolue constamment. Les techniques qui se sont faites hier se feront sûrement demain, mais en même temps, on a un perpétuel recommencement. Je pense que les bases sont fondamentales. C'est ce que la plupart des coiffeurs ont peut-être oublié depuis les 10 dernières années là. Donc c'est vraiment important de revenir sur des bases solides pour pouvoir répondre à la majorité de notre clientèle au salon. Tous les jours, il y a des nouvelles méthodes qui se créent, des nouvelles techniques, des nouvelles sortes de tresses et attaches, ce qui pour répondre à la demande de nos clientes et de nos clients dans les salons, que ce soit chez les hommes parce que ça a énormément évolué, on a plus 15% d'augmentation de passage client, donc c'est énorme. Donc les barbes, la coloration pour barbe, l'épilation qui se faisait pas du tout chez les hommes il y a encore 5 ou 10 ans de ça, mais qui se faisait par contre il y a 30 ou 40 ans pour le coup, et puis beaucoup plus de techniques chez les femmes, que ce soit la coloration, la tresse et attache, elles coupent de moins en moins leurs cheveux, donc l'idée c'est qu'on ait de plus en plus de temps pour faire autre chose, donc on essaie de leur apprendre des techniques de coupe en 20 ou 30 coups de ciseaux maximum, qui sont très très efficaces et très rapides, pour qu'ils puissent après aller vers autre chose de la technique et proposer davantage de choses à leur clientèle. Et en fait, l'idée c'est surtout de montrer que très simplement, en ayant une parfaite connaissance des bases, finalement, on peut arriver à faire tout ce que l'on veut après quoi. Et c'est un peu l'idée de la journée d'aujourd'hui, c'est de leur montrer que tout est possible à partir du moment où on a des bases très solides et qu'on a envie d'aller plus loin, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en apprentissage? Parce que là, on est dans un CFA. C'est ça. Avec du recul aujourd'hui? Avec du recul, je pense que effectivement, je n'avais pas forcément conscience quand j'étais apprenti que toutes ces bases-là étaient essentielles. Je veux dire, quand on a 15 ou 16 ans, ça peut paraître aussi
normal finalement, mais avec du recul, effectivement, je trouve que toutes ces choses-là, il faut les travailler dès maintenant, comme ça c'est du temps de gagner pour la suite. Et c'est ce qui m'a permis après d'aller voir plus loin, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger aussi, parce que c'est aussi super important, l'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un milieu où finalement on a des préjugés ou fermés, l'état d'esprit un peu fermé. Je pense que les jeunes aujourd'hui doivent vraiment s'ouvrir sur un maximum de choses, parce qu'il y aura de la place que pour les meilleurs. Il va falloir savoir faire tout vraiment par la suite. Donc l'idée, c'est vraiment de leur apporter un maximum d'outils, maximum de choses pour qu'ils puissent après... moi, par exemple, j'ai fait des concours qui m'ont permis d'après de voyager, d'aller coiffer à Las Vegas, à New York. Et pourtant, comme je le disais ce matin aux apprenants, je viens d'une petite ville à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne, et où finalement, on pense pas que c'est possible au départ, mais si on s'en donne les moyens, tout est possible, quoi. Voilà. C'est parfait. Je te remercie. Merci beaucoup.